Par rapport à notre contexte, du point de vue académique et scientifique, la crise sanitaire actuelle est arrivée quand notre université commençait le deuxième semestre de l'année académique. La situation sociale au sein de l'université était calme, mais à cause d'une certaine morosité économique généralisée dans le pays, beaucoup d'étudiants n'avaient pas encore pu payer les frais de scolarité, ce qui créait déjà un malaise dans la situation financière de l'université. Ainsi, l'arrêt des enseignements, accompagné du non-paiement des frais de scolarité par les étudiants, a fait exploser la crise financière. Faut-il noter qu'en République démocratique du Congo, les universités privées ne reçoivent pas de subsides de l'État? Celle-ci a commencé par l'annonce du président de la République de la suspension de toutes les activités académiques pendant que les cours du deuxième semestre commençaient. Juste après, nous avons eu trois réunions de crise au comité de gestion pour réfléchir sur la continuité des activités académiques et les sociales du personnel. Après trois prolongements des mesures de confinement, notre comité de gestion a décidé que les enseignants continuent à encadrer les étudiants finalistes dans la rédaction des travaux de fin de cycle. Après le prolongement de l'état d'urgence dû à la pandémie, le comité de gestion a commencé à réfléchir sur la possibilité d'organiser l'enseignement à distance. En rapport avec le pilotage pédagogique, en dépit de l'arrêt des enseignements sur le plan administratif, le comité de gestion de l'université organise un service administratif minimum rendu par un personnel limité qui se relaye hebdomadairement. Aussi, comme indiqué précédemment, les enseignants continuent à superviser les travaux des étudiants en fin de cycle de graduat et de licence, tout en maintenant les règles relatives à la prévention de la propagation de la pandémie du COVID-19. Actuellement, le département des systèmes informatiques travaille sur le montage d'une plateforme d'enseignement à distance pour assurer la continuité des activités pédagogiques et d'éviter ainsi de mettre l'année académique en péril, surtout par rapport aux enseignants visiteurs venant d'autres universités qui risquent de ne plus avoir le temps suffisant pour venir dispenser les enseignements en présentiel. Il faut aussi rappeler que l'université s'était déjà dotée d'un outil de gestion appelé University Administration Tool, UAT, conçu pour répondre à certains besoins de la gouvernance de l'université. Sur le plan de la recherche du service à la communauté et d'appui à la vie étudiantine, le comité chargé de la recherche scientifique et de la conception des projets se réunit régulièrement pour travailler sur des projets à soumettre et fait appel à d'autres membres du personnel selon leur expertise. Aussi, la bibliothèque organise un service minimum pour ceux qui ont des travaux de recherche. Par ailleurs, les travaux de recherche des étudiants finalistes se font normalement tout en veillant aux conditions sanitaires. En plus, le service à la communauté s'est plus intensifié en cette période de crise. Les étudiants, surtout de médecine, participent à des campagnes de sensibilisation de la population sur les mesures de prévention du COVID-19. Ils sont aussi invités à des réunions organisées par le ministère provincial de la Santé et par des ONG internationales basées à Goma dans le cadre de la lutte contre le COVID-19. En plus, ils sont en train de travailler sur un projet de fabrication de produits hydroalcooliques comme désinfectants. Les étudiants de la Faculté des sciences et de technologies appliquées, quant à eux, ont fabriqué des masques médicaux qui ont été distribués aux formations médicales de la place. Enfin, les enseignants de la Faculté des sciences économiques et de gestion ont participé à la conception des plans de contingence du gouvernement provincial dans le cadre de la crise du COVID-19. Par contre, à l'exception du logement des étudiants,
de l'encadrement des étudiants finalistes et des soins médicaux pour les étudiants inscrits à la mutuelle de santé, les autres services d'appui à la vie étudiantine sont suspendus. S'agissant de la coopération internationale, y compris les mobilités étudiantines, la communication avec les partenaires internationaux continue, bien que d'une façon limitée, à cause surtout des mesures plus restrictives sur le fonctionnement des institutions dans les pays de nos partenaires. Les mobilités d'étudiants sont également arrêtées, ainsi que les formations en partenariat. Néanmoins, le programme de troisième cycle organisé en partenariat continue grâce notamment à l'usage du numérique. Aussi, les préparatifs sur les mobilités et d'autres activités dans l'avenir, comme les formations dans certains domaines, continuent. Comme je l'ai dit précédemment, la gouvernance de l'université est assurée par le comité de gestion, mais de temps en temps, elle est élargie aux doyens de faculté et même aux chefs de service selon le besoin. Grâce au numérique, la communication avec les partenaires se font au moyen des plateformes numériques en ligne, notamment par Zoom et Skype. Aussi, pour limiter les contacts physiques entre les membres du personnel, la communication par courriel électronique a été renforcée. D'une manière générale, l'université n'intègre pas dans ses pratiques des dispositifs formels de gestion de crise ou de gestion des risques. Néanmoins, la succession des conflits armés en République démocratique du Congo pendant de longues années et la persistance de l'insécurité, surtout dans la partie où fonctionne notre université, a permis le développement des mécanismes individuels de résilience face à des situations de crise. Cette capacité élevée de résilience fait que pendant la crise actuelle causée par le COVID-19, les membres du personnel demeurent toujours disponibles pour rendre service à l'université, en dépit du fait qu'ils ne reçoivent plus de rémunération pour leur survie pendant plusieurs mois. Néanmoins, en plus de ces efforts de mitigation des effets négatifs de la crise, nous comptons désormais réfléchir d'une façon formelle sur les mécanismes d'anticipation de crise ou de menace à notre existence en tant qu'institution d'enseignement. Tout d'abord, nous pensons que notre outil UAT, couplé à de la plateforme d'enseignement à distance, nous permettra d'introduire des innovations dans la gouvernance de notre université, notamment une gestion plus rationnelle des ressources humaines et financières grâce à la combinaison des enseignements à distance et en présentiel. Les enseignements que les étudiants suivront sont l'accompagnement physique et direct des enseignants renforceront aussi bien leur capacité de travailler d'une manière plus autonome que leur participation plus active à leur propre formation. Ensuite, notre université a déjà proposé aux établissements d'enseignement supérieur de la place de partager avec eux le système de gestion mentionné ci-haut, c'est-à-dire l'UAT. Aussi, avec la création de la plateforme d'enseignement à distance, il sera possible que les étudiants de plusieurs établissements suivent les cours d'un enseignant, jadis invité par un seul établissement, et cela réduira les dépenses liées au voyage et au séjour plus long de plusieurs enseignants visiteurs dans le passé. Il y a plusieurs leçons à tirer de la crise actuelle qui peuvent être capitalisées pour une meilleure gouvernance de notre université en cas de crise ou de risque dans l'avenir. Mais cela ne pourra se réaliser que si toutes les parties prenantes à la gouvernance de l'université, ainsi que tous les collaborateurs, manifestent un niveau suffisant de maturité ou de changement de mentalité en rapport avec la crise actuelle. Ces leçons ou enseignements peuvent être résumés en termes de nécessité
d'une rationalisation plus appropriée des ressources disponibles tout en garantissant des enseignements de qualité.